Le sujet d'aujourd'hui sera sur la consommation d'huile moteur. Les causes d'une consommation anormale d'huile moteur. Si vous remarquez une diminution inhabituelle de l'huile moteur, et que vous n'en connaissez pas la raison et ne le réparez pas, cela peut être un grand danger pour le moteur car l'huile joue un rôle très important à l'intérieur du moteur car elle facilite le processus de frottement entre les composants du moteur. Si la fuite n'est pas réparée à temps, le moteur peut s'user prématurément et causer des problèmes plus importants. Alors quelles sont les causes d'une consommation anormale d'huile moteur? Un fuite dans le vis de vidange qui est situé sur le carter de moteur. C'est un problème assez commun provenant le plus généralement d'un joint fatigué ou d'un serrage trop fort de la vis de vidange. Les segments abîmés. Des segments trop usés peuvent causer une consommation d'huile, car l'huile pourra passer à la chambre de combustion, et cela empêchant la combustion optimale et perdre de la puissance du moteur. Le joint de culasse fatigué. S'il y a un problème dans le joint de culasse, l'huile passée dans les chambres de combustion de moteur, et donc finir brûlée. Les symptômes sont généralement une fumée gris bleutée à l'échappement, et des pertes de puissance de moteur. Usure ou rupture d'un joint de carter de moteur. Une fuite peut être causée par l'usure ou la rupture d'un joint de carter. Elle peut se produire lorsque le voiture roule ou lorsqu'il est à l'arrêt, ce qui la rend plus facile à repérer grâce aux traces d'écoulement au sol. Il est normal que les voitures brûlent un peu d'huile lorsqu'elles vieillissent vers 150 000 km et au-delà. Mais Consumer Report estime que pour une voiture presque neuve, brûler une quantité excessive d'huile est inacceptable. De plus, de nombreux moteurs plus récents utilisent une huile plus fluide et à faible viscosité, telles que 5W20 ou 0W20. Parce que ces huiles sont plus fluides, il leur est plus facile de passer devant les joints et les segments au fil du temps, et augmentant ainsi la consommation d'huile.